ville de Blainville comporte plus de 54 000 citoyens, 900 employés annuellement, et parmi ces 900 employés, 300 employés sont de jeunes étudiants. La ville de Blainville, comme institution publique, se doit de donner l'exemple. L'exemple, c'est d'être en mesure de permettre des premières perspectives d'emploi, des premières perspectives de stage ou des emplois étudiants aux jeunes qui vivent sur notre territoire. Et comme geste concret, la Ville s'est assurée d'être souple au niveau des horaires et de limiter les heures de travail pendant la période scolaire. L'éducation, c'est important, mais c'est surtout une façon de s'assurer, en offrant des stages à la Ville de Blainville et en offrant des emplois à des étudiants, d'avoir une relève qualifiée dans la région de Laurentides. Je m'appelle Félix Nadeau. Je travaille pour la Ville de Blainville au Centre récréo-aquatique de Blainville. Je suis présentement à ma première session universitaire à l'UQTR en histoire. Et ça fait maintenant 3 ans que je travaille à la piscine de Blainville. On peut prendre un nombre illimité de congés tant que ça touche le scolaire, donc l'école. J'ai aussi pu m'absenter dans le cadre d'un stage à Paris l'année dernière durant une semaine. J'avais simplement à trouver mes remplaçants, puis quand je suis revenu, j'avais les heures que j'avais auparavant. J'aime aussi le fait qu'on peut construire nos horaires par rapport à nos disponibilités, aux jours qu'on veut travailler, au nombre d'heures maximum ou minimum qu'on veut. Donc ça permet de se réadapter si jamais on voit qu'il y a un pépin ou qu'on a trop d'heures de travail à l'école ou trop d'heures de travail ici à la piscine. Donc c'est quand même agréable d'avoir autant de latitude.